Renâtre, c'est une société familiale créée dans les années 20 et qui était depuis l'origine au milieu des fabricants de voitures, premiers fabricants d'automobiles, premiers fabricants d'avions. Donc il y a une tradition dans le domaine aéronautique et automobile. On a abandonné la partie automobile dans les années 70 et maintenant on se concentre sur toutes les industries un petit peu particulières qui nécessitent des ressorts dans des domaines où les contraintes environnementales sont importantes, c'est-à-dire notamment des domaines très chauds, très froids, la cryogénie, les milieux vibrants. Et nous fabriquons donc environ entre un quart et la moitié de notre activité pour le domaine aéronautique. Aujourd'hui, nous sommes 18 personnes. On est situé tout à fait au sud du département de l'Oise, à proximité de Gisors. Nous faisons environ 1,5 million de chiffre d'affaires par an. Nous sommes en progression, nous avons beaucoup de succès dans le domaine aéronautique. Et les perspectives aujourd'hui sont très intéressantes du fait des programmes à la fois d'aéronautique civile, programme Airbus, également côté lanceurs spatiaux. Nous recherchons des gens qui n'ont pas nécessairement une formation, mais qui ont surtout l'amour de la mécanique. Nous travaillons dans un domaine qui est extrêmement propre. Les gens doivent être motivés, doivent avoir le sens de la mécanique, un peu le sens de la physique, un peu le sens de la chimie également. Mais en fait, nous leur donnons cette formation. Donc même sans formation, la motivation peut suffire. La société Bonâtre est membre du syndicat des fabricants de ressorts, FIM Ressorts, et nous avons participé au programme mis en place à partir de cette année pour la formation de régleurs ressortiers. Formation en un an, par alternance, avec un contrat de professionnalisation. Nous avons formé la première promotion qui va sortir fin décembre et nous avons beaucoup d'espoir pour la deuxième promotion qui vraisemblablement va rassembler le double de personnes.